c'est Ninja Legends 2. Votre but, c'est de pouvoir acheter 5 jumps de suite. Comme ça, vous pourrez aller sur d'autres îles. Donc, premièrement, vous allez sur la première île. Et comme vous pouvez voir, j'ai 7 jumps. Mais vous allez juste en avoir 5. C'est normal, puisque j'ai oublié de filmer quand j'avais juste 5 jumps. Donc, j'ai tout refait. Mais j'avais déjà acheté mes autres jumps. Donc, je pense pas que j'ai utilisé plus de 5 jumps. Mais si j'en ai fait, c'est ça. Mais je vous dis, ça peut être quand même... Si vous avez joué à Ninja Legends et que vous êtes bon à sauter sur des planètes, ici ça va être, on va dire, 2 fois plus difficile. Parce qu'il va y avoir des turrets qui vont vous tirer. Et ça va être beaucoup plus difficile. Parce que vous connaissez pas les lieux où vous pouvez aller. Aussi, le deuxième truc, c'est de vous mettre en shift lock et dézoomer. Le deuxième jeu, c'est Ninja Rush. Donc ce jeu, il est quand même facile, sauf que vous devez, ça va vous prendre un petit peu de temps. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a des promocodes, vous pouvez les mettre. Et vous améliorez les choses sur le côté, pour que vous soyez plus bon. Après, vous entrez dans le portail et vous pouvez faire en haut auto-run. Vous allez pas devoir toucher sur rien, ça va vous faire tuer les gens sans rien faire. Mais faites attention parce que ça peut être dangereux, puisque si vous avez plus de vie, mais lui il va continuer à les attaquer. Mais c'est pas grave, si vous respawnez, ben, vous allez quand même réussir. Donc vous devez faire les niveaux jusqu'à ce que vous arriviez au boss, que ce soit Wren Brightblade. Et après vous allez recevoir le badge. Le troisième jeu, c'est Outlaster. C'est un jeu d'équipe où vous allez devoir faire des défis. Et pendant les intermissions, pour voter pour l'équipe qui vote, les perdants, ben, vous allez devoir chercher des clés. Et d'habitude, les clés sont dans des buissons ou derrière des buissons. Vous devez trouver 3 clés. Et après que vous les trouvez, vous devez rester dans le jeu jusqu'à ce que vous vous faites voter ou vous gagnez. Et après, à la fin, dans le lobby, vous allez voir Wren pour débloquer le coffre. Donc, regardez toute la vidéo pour mieux comprendre. Le quatrième jeu, c'est Speed Race. Ce jeu, il est quand même facile, mais en même temps, ça peut prendre un petit peu de pratique. Donc, vous devez choisir la map Emerald Isle. Ça peut prendre des Robux si vous en avez. Ça coûte 25 Robux pour choisir votre map. Sinon, elle peut venir quand même souvent et vous devez la voter. Donc, vous devez faire tout le parcours et arriver de première place jusqu'à quatrième place. Si vous arrivez après quatrième place, ben vous n'allez pas gagner le badge. Le cinquième jeu, c'est Vesteria. Ce jeu, il est quand même facile puisque la première partie, il va y avoir une histoire. Et après, vous allez juste devoir parler à l'esprit de Wren et suivre où est-ce que je vais. Le sixième jeu, c'est Wargrove. Donc, c'est une sorte de Among Us, sauf que c'est avec le loup-garou et vous pouvez être loup-garou ou villageois. Le but du jeu, c'est de trouver 3 diamants. Habituellement, il y en a un par partie. Et après que vous avez les 3, vous allez gagner le badge de Wren. Le 7e jeu, c'est Tsunami Simulator. Ce jeu il est super facile. Tout ce que vous devez faire, c'est qu'il va y avoir quelque part en haut et vous allez devoir aller dans une hauteur. Mais avant ça, puisque le tsunami ne vient pas tout de suite, cherchez un petit peu autour de la map pour que vous trouviez le coffre de Wren. Et si vous survivez avec le coffre de Wren dans votre dos, ben vous allez gagner votre badge. Le 8e jeu, c'est Hospital Life. Ce jeu aussi il est facile. Vous allez vers l'event et vous parlez avec Wren. Et après vous allez accepter sa quête. Et vous allez rentrer dans l'hôpital pour vous prendre un travail. Donc vous allez sur le cercle mauve et vous prenez un travail. Après avoir consulté 10 patients, vous allez retourner voir Wren et il va vous donner le badge. Le 9e jeu, c'est RoVille. Donc vous prenez une voiture et vous allez jusqu'au Dinner Blocks. Là-bas, vous allez devoir travailler jusqu'à ce que vous allez gagner une promotion. Et ça va vous donner une carte secrète. Après, vous allez trouver 4 pièces de la clé qui vont vous servir à ouvrir une porte qui vous mène à la cité de Wren. Après, quand vous arrivez là-bas, vous allez devoir collecter 7 sphères qui vont vous aider à ouvrir la dernière porte qui mène au coffre.